tout le monde, bienvenue sur la chaîne, bienvenue au garage. Alors aujourd'hui on va se retrouver avec le Hood 4 4S, donc la nouvelle gamme 4S de chez Arma. Donc aujourd'hui je vais, je vais essayer avec les vidéos d'être un peu plus clair. Donc on va faire le tour du carton. On va faire une comparaison contre lui et le Mini Bicroc 3S. Parce que c'est la seule compare que j'ai, hein, ça reste quand même des véhicules qui se ressemblent quand même. Donc on va faire le tour du carton. Donc je vais commencer par la manette, c'est exactement la même qu'il y a sur le Mini Bicroc, la DX, la CLT3, Spectrum CLT3. Donc elle est vraiment suffisante. Ce qui est bien, c'est qu'elle bride de puissance. Le petit bouton là, qu'on ne peut pas actionner et désactionner facilement, ça c'est cool. Là, pour inverser la direction et les gaz. Là, les trims. Et celui-là, je crois que c'est comme le TSM de chez Traxxas. Donc ça sert trop à rien en fait. La mousse, elle est agréable. Le petit volant, la manette est assez léger. Là aussi, on a un bon feeling avec la manette des gaz. Donc moi j'aime bien ces petites manettes là, surtout où elle est bride. Moi j'aime bien les manettes où il y a des brides. Ça c'est cool, on peut prêter à des gens bridés pour qu'ils découvrent le véhicule. Donc on va faire le tour du carton. Donc là la bête, hein. Nouveauté directement, couronne en métal avec le corps pas sur la couronne, parce qu'avant le corps était sur la couronne et on venait le fermer par l'arrière sur le Arma Bicroc 3S. Donc on est passé sur une pignonnerie métal. On est passé sur des plus gros cardans. Donc news molette, news récepteur, nouveau cerveau. Alors moi sur le Mini Bicroc, j'ai fait un pack, je l'ai cramé je crois. Et nouveau combo, donc 4S. Là on a du 2200 kV brushless. Et on a un 120A 4S. De 3 à 4S, c'est écrit là. Les nouvelles prises, je sais plus comment elles s'appellent, les IC5, voilà. Waterproof, là, c'est transmission en métal maintenant, donc 4S. Ça, c'est le type de véhicule comme le Kraton normal et le Kraton EXB. Donc, c'est une série. Soit on peut mettre 2x2S ou 1x3S, ou on peut rouler avec une batterie 4S. Donc 2x2S pour rouler en 4S, 1x4S pour rouler en 4S, 1x3S. Donc là c'est toutes les petites options qu'il y a chez eux, hein, les batteries, parce que quand ils utilisent la batterie avec leur récepteur et avec leur manette, en fait ça peut te dire combien il te reste de batterie, et après tu peux aussi aller plus dans le véhicule et tout ça. C'est Spectrum, mais on faut aimer, hein. Il y en a qui aiment ça. Donc là, ouais, c'est les deux couleurs. Donc hop, moi j'ai pris celui-là, il existe en bleu, je le trouve pas spécialement joli. Donc là, on a l'ancien système du Mini Bicroc, donc de la façon 3S, mais bon, le slipper a été renforcé, on va voir ça là-dessus. Les nouveaux roulements, je pense. Nouvelle transmission, nouveau combo. L'intérieur. Je vais vous montrer aussi un peu l'intérieur. Là, il n'y a rien. Celui-là, du haut. Celui-là, ouais, les nouveaux cardans. Hexagone de 17. Nouveau slipper, transmission en métal. Là, je pense que c'est le système de ventilation qui est mieux, les plus gros triangles, les plus grosses roues. Bon, c'est un, pour moi, hein, c'est un 3S, mais qui a fait de la musculation là pendant 6 mois à fond, là, à bouffer des stéroïdes à fond, là, et c'est voilà. Donc, je vais vous montrer la différence. Donc là, on a le Mini Bicroc de chez Arma 3S, et là, on a le Outcas 4S dernière génération V2. Donc le Hood Casse, donc c'est ça mais en plus balèze, donc plus gros triangle, plus gros tirant, quand on voit la taille des tirants de là à là. Je vais enlever la carrosserie pour vous montrer. Donc là il est tout neuf, hein. Moi j'aime bien, alors on va faire un petit tour sur la carrosserie. Ce que j'aime bien la carrosserie, ça soit celui-là, le 1/8e ou le 1/5e, c'est exactement les mêmes carrosseries et tout. Donc c'est les détails, et puis elles sont solides. Un 1/10e,
sont solides parce qu'il y a moins de plastique, donc plus c'est concentré en plastique, plus c'est solide. Plus tu as de plastique, plus c'est flexible. Comme celle-là et celle du 1.5, je l'ai fendu ici là. Ici là, comme ça en deux, la carrosserie en deux. Donc voilà, moi j'aime bien les carrosseries, les petits clips et tout. Donc on voit la différence. Donc l'Anthrax, là on est à 310, là on est à 320. Donc on a 1 cm de plus en longueur. En sachant que ce véhicule là, c'est c'est le rallongé du Granit. Donc il y a le Granit qui est plus court, donc plus court c'est ça en moins, la taille du variateur, là c'est un Obi-Wan Max 8 avec un 2200 kV de 42-70 en 2200 kV, donc sans les ailettes en fait, hein, ça reste un... Et du coup ça passe pile poil dessus, donc moi je roule en 4S avec. J'ai roulé que en 3S, là je viens d'installer la couronne métal et le moteur variateur et le cerveau, parce que le cerveau je l'ai grillé en le tout premier pack. Donc j'ai envie de le tester en 4S, parce que je trouve qu'en 3S, attendez je bois une petite gorgée de café, je trouve qu'en 3S, même avec des 100C ou des 120C ça suffit pas. Le variateur il suit pas, le moteur il suit pas, à chaque fois ça se met en chauffe, ça se met en sécurité et tout. Donc c'est pour ça que je l'ai passé en 4S pour le puncher, et du coup il y a lui qui est sorti derrière en 4S. Donc vous voyez la forme du châssis et tout ça, c'est à peu près la même chose, hein. Là il n'y a qu'une seule vis pour enlever tout l'intérieur, il y a la barre en plus là qui est pas. Le système de cardan c'est exactement le même, sauf que là le roulement il est pris, il peut pas bouger, que là le roulement il bouge, voilà. Moteur variateur 4S, pour moi ça a l'air d'être faible encore, encore une fois plus de ça ils ont mis plus de plastique, il est plus gros, il a des plus grosses roues emmenées. Après on est sur des couronnes pignons d'attaque en métal, mais déjà là en 3S ça chauffait par rapport au poids du véhicule. Et les... Donc ils se sont dit en 4S, mais bon, le poids qu'ils ont rajouté, plus... J'ai des doutes comme sur le moteur variateur, on verra bien ce que ça donne. J'ai vite fait regarder les chaînes à manis, ce qu'ont dit le véhicule, mais voilà, sans plus, donc je vais découvrir en même temps le véhicule. Donc on voit bien, hein, c'est les plus gros triangles, les tourelles qui sont plus grosses, les cardans, les tirants... les portes-fusées, les rotules de direction, les moyeux, tout est plus gros. Tout est plus gros. Donc, lui, il est un peu plus court que le Mini Big Rock de 1 cm ou 2 cm. Mais, du coup, ils sont partis sur un châssis rallongé du 3S. Donc, ça lui va super bien. Et du coup, le craton est quand même plus long. Donc, du coup, ils ont fait un châssis rallongé d'une base de 3S. Donc à voir ce que ça donne. Déjà moi là je le trouvais quand même plutôt long pour le véhicule. Donc bon là on gagne 1 cm, ben on perd 1 cm. Donc l'Anthrax des roues c'est encore mieux pour faire les backflips et tout ça. Donc on verra ce que ça donne. Mais le craton on l'a pas testé, mais ça veut dire qu'il est plus long que celui-là. Donc déjà c'est un châssis rallongé, donc c'est un rallongé de chez rallongé. Et bon, il y a des marques qui transforment des 1/10 en 1/8 avec la transmission 1/10. Donc là on a quand même passé sur une plus grosse transmission et tout, hein. Donc là c'est plus costaud, ça n'a rien à voir, hein. Là ils ont passé en 4S, mais voilà, ils ont le suivi derrière est quand même mieux que celui-là. Je trouvais qu'il est beaucoup trop faible. Le Granit ça allait, mais là la façon rallongée avec la carrosserie, les roues. Par rapport au combo qui est dedans, d'origine, c'était trop. Donc, je vais lui juste le monter sur la table. Le petit pépère. Voilà. Tac. Donc, bah, c'est tout neuf, c'est tout beau. Alors, les nouvelles prises, voilà, faut avoir les batteries avec pour que ça marche avec la manette, pour vous dire combien de batteries restent et tout ça. Ou alors, après, il y a
les trucs Bluetooth et tout ça, mais moi je suis pas du tout du tout dans ce délire là. Moteur variateur, bah, c'est ce que je dis, hein, on verra ce que ça donne. D'abord je vais le tester en 3S, puis en 4S. Je vais essayer de lui mettre 10 packs maximum pour essayer de le revendre derrière. Donc c'est pour ça on va peut-être faire même les deux premiers packs en 3S et les autres en 4S, mais en y allant cool. Ou alors faudra que je le modifie, je passe à un autre moteur pour voir ce que ça donne quand même, pour le tester. Plot de carrosserie vraiment souple, flex. Donc ça c'est bien, la carrosserie elle peut bien bouger sur le véhicule. Autant atterrir sur la carrosserie que sur le véhicule des fois, hein, c'est mieux. Bon après ça abîme la carrosserie, mais bon, c'est une carrosserie, elle est faite pour prendre les coups à la place du véhicule. Après, moi, je suis revenu en détail sur les plans éclatés des véhicules. Donc, on retrouve quand même des choses du châssis Mini Bicroc. Alors, je sais pas si vous allez bien bien voir. Lui, je vais le mettre là. Déjà, les carters, les plastiques qui sont là, c'est les mêmes que le Mini Bicroc. Les axes de triangle, c'est les mêmes que le Mini Bicroc. Les cales en alu rouge, c'est les mêmes que le Mini Bicroc. Tout ce qui est transmission centrale là, avec le slipper, déjà toute la face, ça c'est nouveau, les cardans c'est nouveau, les suspensions sont nouveaux. Après il y a beaucoup de choses, c'est ce que je dis, hein, qui est nouveau, c'est pas les mêmes châssis. C'est les mêmes boîtes, c'est les mêmes servos, c'est les mêmes directions, hein, c'est exactement les mêmes directions que le Mini Bicroc. Donc ça n'a pas du tout été renforcé, c'est les mêmes notes là. Ah merde, ça y est, j'ai perdu le nom. Donc il y a beaucoup de choses, c'est quand même qui a été récupéré du 3S. Référence, voilà. C'est les mêmes références, hein. Tout le système de direction, c'est les mêmes références. Les axes, ici, là, les vis, les axes, les cales de train, et tout ça, c'est aussi de reprise sur le Mini Bicroc, mais bon, ça a été évolué. Le slipper, quand même, est beaucoup mieux que celui du Mini Bicroc. Le cardan, c'est le même. J'ai regardé les références. Les carters, c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes, les carters. Ça a changé par rapport au Mini Bicroc. Ils ont mis une plaque plus grosse et ils ont changé le système de plaque. Autrement, ouais. Ah bah moi, j'arrive pas à l'ouvrir. C'est quand même con, ça. Bah oui, si je prenais du bon côté, déjà. Ouais. Donc, vite fait, hein, donc cale de train triangle. Après, je ne sais pas si vous pouvez voir les références. Là, on a 32. Regardez, là, c'est les mêmes. De toute façon, cale de train, 32,0589. Et là, on a 32,0589. Les axes. C'est 33,0457 et cela c'est 33,0457 pareil. Donc il y a quand même des pièces qui ont été prises sur pas le Mini Bicroc, mais du coup le granit aussi. Donc il y a quand même, voilà, c'est un 3S qui est passé en salle de musculation et qui a donné ça. Mais bon, je trouve que pour du 1 dixième, la taille, par rapport à la taille, à l'anthrax des roues et l'empattement des roues, par rapport à la largeur et par rapport à la longueur et à la carrosserie des roues, ça passait vraiment en 1 dixième. C'était cool, moi j'aimais bien, c'était une gamme 1 dixième. Là, on est, quand on regarde le Outcast 8S, Outcast 6S, donc 1 huitième. Et là, on est quand même sur encore du 1 dixième, c'est du gros, gros 1 dixième. Hein. Ils ont fait pareil que Traxxas, avec le Max. Quand on regarde les 1 dixième de certaines marques et qu'on regarde chez Traxxas, ils ont sorti un 1 dixième qui est aussi gros que le HPI X en anthrax, en largeur et en anthrax de roue. C'est exactement la même chose qu'un HPI X, pas XL, hein, mais X. Et le HPI est quand même à 1 huitième. Donc voilà, les tailles de 1 dixième à 1 huitième, là je trouve qu'ils ont abusé. Hein, soit c'est un tout petit 1 huitième ou alors c'est un très très gros 1 dixième. Et le plus, c'est que le craton, il faut lui rajouter 2 cm, je crois, de plus. Donc ouais, ça fait quand même un très gros. En gros, le craton
a le même empêtement que le Outcast 8S, Outcast 1/8. En gros. Donc on verra ce que ça donne. Bon, allez, on se retrouve avec les Outcasts, petite coupure. Donc on va regarder aussi un peu l'intérieur. Donc c'est ce que je disais, hein, par rapport au Mini Bicroc, tout ce qui est support cerveau, c'est la même chose. La boîte, c'est la même. Le système d'accroche là, avec le clips où il faut enlever juste une vis en dessous, c'est le même système que le Mini Bicroc. Après, moi, je dis Mini Bicroc parce que j'ai pas eu le granit dans les mains. Mais c'est ce qui se rapproche plus du granit. Les triangles, par contre, les triangles, ils ont fait des triangles pleins, à moitié pleins. Ouais, c'est tout plein. Comme sur le Mini Bicroc, il y a vraiment que ça, quoi. Beaucoup de creux. Donc là, il y a beaucoup de pleins. On voit que les triangles sont vachement longs par rapport au Mini Bicroc. Le châssis a l'air d'être le même, mais du coup, c'est pas le même. J'ai regardé la référence, c'est pas le même. Les bulkheads aussi, c'est pas les mêmes. Donc il y a deux, trois choses qui changent quand même. Sur le Mini Bicroc, il n'y a pas le système pour mettre la barre là, donc tout le plastique qu'il y a ici là, il n'y a pas et il n'y a pas. Donc voilà. Donc moi, je suis pressé de tester ce petit véhicule-là en 3S et en 4S et voir si je tape dedans sans trop l'abîmer, ça serait cool. Donc là, on a le sachet d'origine avec tout ce qu'il faut pour le Mini Bicroc que j'ai jamais ouvert. On n'a pas eu besoin. Ça, c'est le plan éclaté du Outcast 4S. Et là, on a ce que je voulais voir. Je ne l'ai pas ouvert, je voulais l'ouvrir devant vous. Donc là, on a le bouquin. Hein, là, il y a le craton et le Outcast. Avec tout ce que explication, comment ça fonctionne, comment il faut démarrer. Et là-dedans, ça m'intrigue puisque j'ai vu une clé, ça ressemble à un petit pistolet. Donc c'est marrant. Hop! Donc ça, c'est des cales de rechange pour les suspensions. Si on les veut plus raides ou pas, c'est juste... Ah non, il faut démonter parce que c'est pas des clips. Ça, c'est des clips. Donc ça, on peut les monter dessus sans enlever le ressort. Mais pour cela, là, il va falloir enlever le ressort. Donc, pas en dessous, en fait. Et après, remettre le ressort. Ça et ça. Ah, ils aiment bien les sachets dans les sachets. Hop, oui, donc je disais, ouais, ça fait comme un petit pistolet. Regardez, c'est marrant. Alors là, il y a une petite clé de 5.5. Là, ça doit être du 8, je pense. Là, c'est pour démonter la roue. Tac. Après, je pense que ça doit servir à... Ça doit être écrit là-dedans, hein, tout ce qui est pour démonter. Ça, je pense, c'est peut-être pour les suspensions, pour enlever les moyeux. Peut-être pour enlever les moyeux, je sais pas. À voir de toute façon quand on démontra le véhicule, elle sert à quoi. C'est comme des clés Traxxas. La grise là, qui est toute bizarre avec des embouts bizarres, j'ai peut-être mis 2 ans à comprendre des choses. Ça servait à quoi? Parce que je me suis jamais penché dessus. Donc je remets tout ça là-dedans, parce que moi j'en ai pas besoin. Les clés aussi, j'en ai pas besoin, j'ai les miennes. Comme ça, quand je revends le véhicule, il y a le sachet complet avec le véhicule, le carton, la manette d'origine. Comme ça, la personne ne part pas sur un véhicule qui a été modifié. Après, je vais peut-être le modifier, hein, mais je pense pas. C'est pas un véhicule que je vais modifier, je vais le tester comme ça, je vais le laisser d'origine. Comme ça, je peux le revendre mieux, plus facilement derrière. Donc voilà. Donc moi, pour moi... Avec les tests que j'ai fait avec le Mini Bicroc, c'est un Mini Bicroc, mais qui a été à la musculation, on lui a rajouté un petit aileron, une petite roulette, des grosses roues, des gros triangles, grosse suspension. Non, c'est vraiment bien fait. Donc à voir, à tester maintenant ce que ça donne. Donc dès que je fais les premiers tests, eh ben, je ferai des vidéos, je vais essayer de faire un max de vidéos dessus. Je ferai peut-être une vidéo démontage pour voir l'accès des diffs. Peut-être changer le moteur pour passer sur autre chose et puis voir ce que ça peut donner. Donc sur ce les gars, je vous laisse, je vous dis bonne année, hein, si je l'ai déjà dit dans l'autre, mais on sait jamais.
Donc, portez-vous bien, la santé et à bientôt. Allez, ciao les gars!